Bonjour mes béliers, c'est Nathie. Comment allez-vous mes chéris? C'est à votre tour. On va regarder de suite. Ça va être donc du 16 au 22 mai. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors, gratitude pour tout mes chéris, pour vos messages. Merci énormément pour les personnes que j'ai eues en consultation téléphonique pour des guidances. Cette semaine a été bien complète parce que comme j'ai fait la promotion, bah dites-moi, c'est la première fois que je le fais, mais ça marche bien. Et puis tout le monde est content. Et puis il y en a jusqu'à dans, j'ai des rendez-vous jusqu'à 2 semaines. Hein. Bon, il en reste encore. Hein. Après, c'est sûr que ça dépend des heures. Il faut trouver un créneau horaire. Pour les personnes, c'est normal. Mais je vais en faire ce week-end. Hein. Je vais accepter ce week-end, samedi, dimanche. Hein. Puisque la promo, profitez-en, elle est... qu'est-ce que j'avais dit? Jusqu'au 15 inclus. Oui, j'ai rajouté 2 jours parce que pour que je puisse trouver de la place dans mon agenda pour tout le monde, quoi. Hein. D'accord. Bon, alors, mais il y a encore de la place. Il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Hein. Alors, on va regarder de suite. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Bon, je vais prendre celui-ci. Ça change un peu. Bon, j'ai des béliers, vous êtes, il y a une grande décision à prendre dans votre vie, elle est très importante cette décision. Ça parlera à qui ça doit parler, hein? Ça parlera pas à tout le monde, mes chéris, prenez que ce qui vous parle. Hein? Et sinon, ici on parle de documents administratifs, de papiers administratifs, on parle d'action en justice, hein? Les divorces, héritage, partage de biens. Pour les personnes, si vous avez porté plainte, exemple, contre une personne, pour frais et des dédommagements, enfin, voilà. Bon, il y a une femme, ici, j'ai la femme et l'homme. Hein. Alors, ça peut être soit la femme par rapport à un homme, elle s'enferme, elle ne va pas bien parce que vous divorcez ou vous vous séparez, vous voyez. Et là, c'est on ne va pas bien, on pleure, on est dans le chagrin, dans la tristesse, limite dépression, hein, moi je dirais, peut-être même dépression nerveuse. Hein. Et sinon, par rapport à un homme, et sinon, ça peut être une femme par rapport à une femme, et sinon, ça peut être un homme. Un homme aussi, comment dire, je regarde, ça peut être un homme qui a des actions en justice, hein. Vous êtes relié à la justice en tout cas, oui, et puis ça va pas du tout bien, vous vous enfermez, vous allez mal et en fait vous acceptez pas très bien les choses, hein. Ça parlera à qui ça doit parler, hein. Alors, ensuite, ici, on vous dit, si vous aviez une question dans votre tête, ou que, voilà, vous vous questionnez, la question, elle est oui, un grand oui. Et sinon, on va réussir quelque chose, un examen, un permis de conduire, un diplôme, un certificat, en tout cas, un test. On réussit quelque chose ici. Hein. Il y a un rapport avec une grande administration au niveau des papiers administratifs, documents. Alors, ça peut être aussi, si on veut se lancer à notre propre compte, eh bien, peut-être le temps qu'on soit immatriculé, voilà, pour le CIRET et tout ça. Et voilà, il y a la chance sinon. Ouais, c'est génial, mes béliers, vous avez la chance. Ouais, vous attirez, hein, vous attirez la chance, vous attirez tout ce que vous avez envie à vous. Vous êtes sûr de vous, vous émanez, vous êtes magnétique. Et on attire un amoureux, une amoureuse, on attire l'argent, on attire le travail, on attire la santé, enfin, on guérit par exemple, vous voyez, là c'est bien. Hein. Là, alors ça peut être la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, sinon il y a des correspondances, mes chéris, des correspondances, d'accord? Des correspondances ici. Bon, pour certains et certaines, il y a des culpabilités. Alors, soit on se culpabilise d'avoir fait quelque chose ou d'avoir dit des choses, ou alors,
Ou alors c'est vous, on vous montre du doigt comme là et on vous culpabilise par rapport à quelque chose. On vous fait des reproches, voilà. Soit il y a quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous hein, aussi. Hein. Ça peut être ça, ouais, que quelqu'un culpabilise par rapport à vous. Bon, vous adaptez, hein. Vous seul, vous savez ce que vous vivez, mes chéris. C'est pas comme quand je vous ai, comment dire, ça peut être plusieurs choses par rapport à plusieurs personnes, là. Alors, bah dis donc, mais c'est génial cette ligne-là, hein, la réussite totale, hein, bingo. Hein. Ici, on a des correspondances, des échanges, il y en a qui vont m'appeler, puisque moi, c'est la guidance téléphonique. Ici, ouais, ici, on va être super bien, il y a une super période, on va se sentir bien, zen, tranquille, la paix tranquille, hein, vraiment, on maîtrise les choses, on est épanoui aussi, c'est l'abondance aussi, on est tranquille parce qu'on est dans le confort, on est bien, en plus, il y a le cadeau, on va vous faire un cadeau, vous allez, ou alors vous allez faire un cadeau, ou bien l'univers va vous faire un cadeau, mes chéris, c'est une histoire de temps, hein. Eh bien, c'est super. Il y a un blocage au niveau de la justice, et puis sinon pour d'autres, au niveau des papiers, au niveau des dossiers, il y a un homme qui se sent bloqué, qui ne se sent pas bien dans sa vie. Et sinon, j'ai une femme qui est bloquée, qui ne se sent pas bien dans sa vie par rapport à un homme, ou une femme-femme, ou un homme-homme. Un homme-homme, n'importe quoi. Ou un homme par rapport à un homme. Il y a des, leçons à en tirer. D'autres personnes, là, on fait un merveilleux travail sur soi-même. Un travail personnel, un travail d'intérieur. Continuez comme ça, vous voyez bien que vous êtes en train d'évoluer, de changer. Et c'est très bien. Il y en a d'autres, vous allez démarrer une relation sentimentale où vous venez de le faire depuis peu. Il y en a d'autres. Ici, on démarre un stage, une formation. On trouve une alternance. Enfin, vous voyez. Hein. On rajoute du savoir. Ça peut être les étudiants aussi. On trouve un emploi. Ou on vient de trouver un emploi. C'est tout frais. Il y en a qui attendent ils espèrent un CDI. Ah tiens, c'est particulier ce que je vais vous dire. Il y a une personne, vous deviez soit vous marier, soit vous fiancer ou paxer. Et en fait, là, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire pour l'instant, en tout cas. Ici, on est bloqué, on ne se sent pas bien par rapport à la trahison, par rapport au passé, mes chéris. On le traîne sur notre dos. On est en introspection. Il y a un voyage qui vous attend. Ou bien, ça peut être déménagement, emménagement. Ça peut être un week-end, un séjour. On se déplace par rapport au travail. On se déplace, qu'on me dit, pour aller voir un thérapeute ou un psychologue ou un médecin. C'est ce qu'on me dit. Hein. On se déplace. Ah oui, bah d'accord, on se déplace aussi pour un notaire. Ça peut être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, 3 semaines. Hein. Un notaire. Quelque chose comme ça. Hein. Alors. Mais vous avez le travail, hein, mes chéris. Il y en a qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a... c'est la fin, hein. Ça doit être la fin d'un CDD où vous n'arrivez pas à trouver de travail, c'est possible. Et là, on va démarrer un travail, hein, mes chéris. Donc, tenez-vous prêts. Hein. Ben, tant mieux. Hein. Ah bah oui, la vie, elle change. On a fin de cycle et début de cycle. Là, c'est la roue de la destinée. Hein. Il y en a qui vont rencontrer l'amour, mes chéris. C'est super. On va réaliser un rêve en dodec. Hein. C'est bien, hein. Et puis, il y a une histoire d'argent. Hein. Bon, comme c'est à côté du travail, oui, il y a une histoire d'argent. Donc, il y a une rentrée d'argent. Mais comme c'est à côté du travail, bon, bah, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on trouve du travail du coup, c'est logique, on a le salaire, quoi. Hein. C'est génial. En tout cas, on va rétablir sa situation parce que ça n'allait pas. Hein. Des problèmes au niveau financier, hein, certains. Pas tout le monde, hein, bien sûr. Hein.
On va être bien avec les siens, on va être bien avec sa chérie, son chéri, on va être bien avec nos enfants, on va être bien avec nos amis, la famille, mes amours, c'est bien. Ah, je suis contente. Il y a quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, est-ce qu'il part de son emploi ou pas, parce que vous avez envie de changer de travail ou de voie, d'accord? On va être comblé ici. C'est quand même l'abondance là, hein. Bingo, hein. Bah, comme j'ai la rentrée de la somme d'argent, écoutez, je vous le souhaite. Ou sinon, bah, écoutez, vous allez être comblé en amour, hein, ou comblé. Par rapport à un projet, on a un projet, il y a grossesse-naissance et on a des projets. Projet pro, projet personnel, tout va aller vite, on va accoucher vite là ici. Hein. Et les projets, on a envie de les mettre sur pied ou alors on a fait vite. Ou alors, ça va s'accélérer, vous voyez, vous avez peut-être mis votre projet sur pied, ça s'accélère en fait. Ou sinon, on le fait trop vite peut-être, doucement. Hein, les projets, il faut prendre le temps qu'il faut. Et celle-ci, bon, j'ai décalé. Doucement, mais sûrement, comme on dit, mes loulous. Vous voyez, on a un projet, hein, mes chéris. Hein. C'est bien. On a un projet, c'est bien. Il y a de la nouveauté dans l'air, hein, dites-moi chez vous. Hein. Ouais, c'est bien. Alors, ici, si les affaires ne fonctionnaient pas, ça va reprendre, hein, mes chéris. Hein. On a une idée, super idée dans la tête. On a une solution pour un problème. Tout va s'éclaircir. On a l'introspection, on cherche à avoir la vérité. Il y a quelqu'un qui se doute de quelque chose, hein. Peut-être dans le sentimental. Au travail, il y a des problèmes. Attention. Vous réfléchissez à cette situation au travail. Vous vous demandez si vous partez ou si vous restez parce que vous serez capable de partir. Et ça se passe mal au travail. Ou sinon, vous êtes capable de les mettre au prud'homme, qu'on me dit. Ouais. Bah, écoutez, j'en sais rien ce qu'il y a. Mais sinon, là, de toute façon, ici, ça parle hein, sur vous. Hein. Ou alors, ça se passe mal au travail. Il y a quelque chose là. Hein. Après, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais ça ne va pas bien. Ici, on s'ennuie. On est dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente, hein, ouais. Certains et certaines, on est dans l'attente. C'est pas bon être dans l'attente, mais bon, après, faut bouger. Occupez-vous l'esprit, s'il vous plaît. Hein. On a des blocages, des barrages. On se méfie par rapport à une personne, une situation. On a des doutes. Et puis, là... Pour certains et certaines, vous sortez. Vous sortez. C'est une belle alliance ici. On sort avec les amis. On va faire la fête. On va fêter quelque chose. C'est la joie aussi. Hein. Allez, on regarde direct ici. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire un travail sur la jalousie. Tout ce qui est jalousie, possessivité, tout ça, s'il vous plaît. Sinon, on vous jalouse, mes amis. Il y a de la nouveauté, hein. Moi, je pense que dans sentimental, il y aura de la rencontre. Mauvais choix, mais je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit quand je vous ai dit, peut-être au final, vous êtes dans le mauvais endroit, vous avez choisi le mauvais choix. Mauvais choix, qu'on me dit. Ou alors, par rapport au sentimental aussi, ou les amis, hein, par exemple. Hein. On peut choisir mal une amie, un ami, on peut choisir mal ses amis, ou on peut choisir mal sa compagne ou son compagnon. Les blessures de l'enfance, hein. Il y en a, ça remonte, hein. Il y a des blocages depuis longtemps. L'âme, elle est blessée, vous avez été trahi. Ou alors, c'est possible aussi qu'il y a eu un choc émotionnel. Hein. Deuil, par exemple, une rupture très difficile, rupture sentimentale, ou bien, par exemple, accident de la route ou un autre accident. Et en fait, ça vous a impacté, vous voyez? Moi, je suis guérisseuse, vous le savez, j'enlève tout ça parce que vous le portez là. Hein. Alors, vous pouvez toujours vous renseigner, hein, mes chéris, ça n'engage à rien, hein, mes doudous d'amour, on est d'accord. Hein. Donc, et la promo, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la promo, c'est 15 euros les 20 minutes au lieu de 25 euros et c'est 45 euros les 45 minutes au lieu de 60 euros. Et le soin, voilà, le soin, il est à 80 euros par personne. Au lieu de 120 euros, voilà, et je vous envoie l'explicatif du soin, hein, pour mieux comprendre, ça vous engage à rien, mes chéris. Bon, il y en a certains, vous êtes beaucoup dans la solitude, on va voir si certains en sortent. On
on est fidèle à une personne, on a envie qu'elle revienne, cette personne. Ah ben voilà, quand je dis ça, réconciliation. Il y aura réconciliation ou pas, parce que c'est possible que vous, vous y pensez, et puis ça se fait pas. Hein. Mais vous êtes fidèle à cette personne. Hein. Ici, on va faire la rencontre pour mes célibataires. D'accord. On va faire la rencontre d'une personne, d'accord. Pour d'autres, en fait, ici, on va se réconcilier. Pour d'autres, je vous ai dit, ça dépend. Ça dépend. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est pas trop de vous, ça dépend de l'autre. Enfin. Et sinon, ici, vous avez envie de lâcher une personne, de rompre avec une personne pour démarrer avec une autre. La bonté, on a été généreux, généreuse, on a donné son cœur, ou on va donner son cœur, on est fragile, et pourquoi on est fragile? Parce qu'on s'est illusionné, et ouais, on a donné notre cœur, c'est un échec, cette relation, il y a la rupture, soit vous la vivez ou vous allez la vivre. On est égaré, d'accord? On est égaré et ici, il y aura des discussions, communication. Ok, ici on cherche à communiquer avec une personne avec qui on est séparé, ou ça va arriver. Hein. Et c'est totalement, on est égaré, on a des doutes, on va pas bien. On est très fragilisé. Pour d'autres, il y a la rencontre, je vous le disais. Et pour d'autres, mes couples, mes chéris, vous avez ici l'engagement. Hein. C'est bien. L'engagement. On s'élève à une étape supérieure. Pax, mariage, fiançailles, vie commune à deux. C'est bien, mes chéris. Hein. Et il y en a qui vont signer des contrats qu'on est en train de me dire. Mais oui, mais moi là, je suis dans le sentimental, mes chers guides. Oui, mais je l'ai dit, non? Que vous allez signer des contrats. Oui, tout à l'heure. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, mes chéris. Honorez vos engagements. Un ange gardien vous protège, mes chéris, vous aide. On a raté une occasion ou on va rater une occasion. Insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions en amour, au travail et tout ça. Et là, on vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, mes chéris. Faites preuve de courage, ayez foi en vous. C'est le, en général, hein, vous adaptez. Hein. Ça peut être sentimental, pro... Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, celle-ci. Une carte, par contre, celle-ci. Et j'aurai terminé. Mes chéris, je vais vous libérer. L'égarement, encore, hein, vous êtes égaré. Hein. Il y en a qui vont m'appeler, hein, parce que vous êtes égaré, vous cherchez. Là, il faut vous guider et surtout, vous voulez savoir. Et surtout, vous voulez des réponses, vous voulez savoir. Ne cherchez pas de réponses qu'on vous dit, votre mental... Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, surtout pas, n'écoutez pas votre mental, votre ego, votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Votre intuition à vous ou la mienne, d'accord? Mais il y en a qui vont faire appel à mes services, hein, je le vois bien. Et en plus, en dodec, on avait les aides. Il y a, c'est vrai, les aides de l'invisible. Et puis, vous avez besoin d'être aidé, éclairé, hein, comme on voit les ampoules. Voilà, mes chers béliers, je vous fais de gros bisous. Nati vous dit bon week-end et à bientôt. I love you.